Oh, est-ce que tu te souviens cet échec qui était Deacon Cheese? Oh putain. Là là. Même quand c'est sorti, c'était genre, ouais, non, c'est pas bon. C'est déjà, ça va pas être bon, les gars. Il faudrait que je les regarde, tu vois, avec le recul et tout ça. Mais Deacon Cheese. Oh non. Attends. YouTube? Je vais pas faire ça maintenant, mais juste, faut que je retrouve des titres. Oh merde. Deacon Cheese, 50K abonnés. Hein. Dernière vidéo, il y a 6 ans. Et c'est une bande-annonce pour le spectacle de quelqu'un. Genre, c'est même pas une vidéo vraiment de la chaîne, tu vois. Dernière vidéo, elle a 7 ans. Oh. Et elle s'appelle C'est pas parce que numéro 6. Et donc la thématique c'était c'est pas parce que blablabla qu'on peut pas trouver un job. Genre c'est pas parce qu'on. Et donc c'est Guillaume Batz apparemment qui faisait ce truc là. La vidéo la plus vue, Classe Gitan, bah oui évidemment, mais voilà. Donc à part Classe Gitan qui est devenu viral avec 3,2 millions de vues, Deacon Cheese putain. Dans la description YouTube, il y a le lien vers leur page Facebook. Est-ce que tu l'entends, le poids des années? Avec Camini. Quoi? J'en souviens pas de Camini qui avait un podcast sur ce truc. Ah, c'est pas impossible. Enfin, la majeure partie, c'était des gens dont demande pas en rire. Oui. Je sais pas si c'est pas un truc France Télévisions, au fond. La nouvelle chaîne humour que... avec un menu. Tu sais, parce que... Je sais pas parce que ça sonne truc fait par des mecs en costume. Ouais. Non, mais de la Deacon Cheese. La vidéo la plus vieille, c'est combien de temps la plus vieille? Montrez-moi la plus vieille vidéo de Deacon Cheese. Oh, ça lag, on pourra pas savoir. Putain, si c'est un truc du genre, tu sais, vidéo d'annonce en mode bienvenue sur Deacon Cheese, la nouvelle chaîne de Deacon sur YouTube. Putain, conceptuellement, c'est vraiment des gens qui ont un costard, quoi. Ah, ça charge pas. Attends, à la fin de ma course, j'irai vérifier. C'est important, je dois le savoir. Ah oui, au fait, j'ai déjà lancé la course. Fais là. Ah. Ah oui. Non, mais c'est pas grave. J'étais en train de tester mon écran de début de stream, mais du coup, ça. Un test. Tu veux que je passe sur ton live pour voir? En fait, j'avais pas réfléchi au fait que. En fait, j'avais fait un truc en mode je vais mettre un fond de musique et juste une image de début de stream. Ouais. J'avais pas réfléchi au fait que. Quand du vu, j'ai pas mis de micro pour qu'on m'entende pas, mais j'ai pas capté que toi quand t'allais parler, ça allait mettre ta voix. Ah ouais, oui, parce que t'as réglé le son, sur genre chope le son de l'ordi et pas chope le son d'une appli en particulier. Ou... Ouais. Oh, ce virage. Et j'ai un flemme de gérer ça maintenant. Oh, tellement. J'ai fait des réglages, je sais plus quand, il y a quelques jours là. Parce que tu sais, sur mon overlay, on voit le. Il y a un cadre autour de la fenêtre de jeu. Et la fenêtre de jeu, elle est un chouï trop grand par rapport au cadre. Et ce qui fait qu'on la voit. Genre on voit les angles de la fenêtre de jeu par-dessus le cadre qui dépasse. Ouais. Et donc je m'étais dit, ok, je vais essayer de faire un masque. Un truc pour genre que le cadre vraiment couvre le truc et qu'on ne voit pas l'angle. Ça ne marche pas. Ça ne marche tout simplement pas. Oh putain, Deacon Cheese. Ok, bon, la première vidéo ça compte pas, c'est un teaser. Et après, tu as Artus qui faisait un truc qui s'appelle Rebusic. Qui était, on fait des rébus pour deviner de la musique. Oh là là, oui. Il y avait Vol 13-18 de Ben et Arnaud de sa mère qui était ok. Et après, je vois Arnaud Cosson, clip officiel, Petit Vieux, qui était, je crois, un truc qu'il avait chanté dans Ondar et qu'il avait voulu faire un. Enfin, ils en avaient fait un clip. Et je vois, bien sûr, les fameux Ils sont là. Les qui c'est qu'a fait ça avec le grand mec avec Mathieu Pinchina. Ah ouais, c'est vraiment des gens de ouais, c'est Ondar quoi. Florent Père faire du sport avec les moyens du bord. Ouais, c'était clairement genre ok, on a un format par personne. Si, il y avait un truc qui était sympa qui était Voltevan.
Est-ce que tu te souviens de Volteval? Pas du tout. Et ça fait nom d'émission des années 80. Non, alors, le comment, c'était genre... mettons, t'as Artus Arnaud de sa mère. T'as Artus qui va faire un de ses sketchs. T'as sa mère qui va faire un de ses sketchs. Et après, t'as sa mère qui va devoir refaire le sketch de Artus de mémoire. Et Artus qui va devoir refaire le sketch de sa mère de mémoire. Et donc, évidemment, ouais, le truc avec Artus et de sa mère de mémoire, sa mère lui fait un truc qui s'appelle le sketch, c'est genre j'aime la musique. Et en fait, tout le sketch, c'est genre j'aime bien, j'aime beaucoup la musique. J'aime bien Mylène Farmer Génération. J'aime bien Jean-Jacques Goldman quand la musique. Et j'aime bien. Et donc, en fait, il enchaîne, tu sais, genre 80 chanteurs ou chanteuses ou groupes. Et il embraye sur genre 4 mots d'une chanson et il passe au suivant. Et il fait ça pendant 3 minutes quoi. Donc c'est vraiment, c'est vraiment juste, en plus je t'ai foutu le sketch à la con pour t'emmerder quoi. Et Arthur, je sais plus ce que c'était, si c'était pas genre le Québécois, tu sais. Mais ouais, tu vois, genre le concept de ouais, ok, bah je vais te faire mon sketch là et tu vas le refaire. Et c'est pas genre tu le refais à ta sauce. C'est t'as pas le temps de faire de l'écriture ou quoi, c'est juste non, tu le. Là maintenant là tu montes sur scène et let's go quoi. Avec une ambiance un peu genre Jamel Comedy Club avec un public et tout. Tu vois, c'était. En vrai, je trouve bonne idée. Complètement hardcore à faire en vrai, j'imagine, mais bonne idée. Par contre, ouais, rébusique, dérébus, mais avec de la musique, ça c'est fou, ça. Bah, la vidéo, elle a 9 ans, mais c'est pas pour rien. Tout est permis. Ouais. Donc, c'est ça, ouais, c'est Arnaud Cosson qui faisait que des chansons. Parce que bah, Arnaud Cosson à l'époque. Tiens, il y a Fabien Olicard qui fait un sketch. Il y a Fabien Olicard avec Artus et Fabien Olicard avec Vincent Piguet. Donc j'imagine que c'est deux trucs de mentalisme. Je vois Camille. J'aurais aimé être. Et donc là, il y a j'aurais aimé être un chanteur de variété française. J'aurais aimé être rappeur dancefloor. C'était pas un podcast, c'était. Enfin, si, c'était ouais, ça faisait vidéo YouTube quoi. Oui, c'est ça, c'est genre quand je dis podcast, c'est genre. Ouais. Cyprien à l'époque. Artus, peut-on être à la fois, épisode 3. Oh là là. Ah ouais, c'est. Eh ben, c'est 2014. Waouh. Même mon ordi me dit impossible de se connecter à internet. Non. Mais donc ouais, tout ça pour dire, je sais même plus pourquoi c'est parti là-dessus. Il y a quelqu'un qui a dû prononcer le mot déconne et il fallait pas. Je t'ai dit ça déconne à plein tube. Ouais. Et moi j'ai dit qu'il y avait des tubes avec de la déconne dedans. Et tu te souviens de déconne, Jis? Oh là là. Le stream sans fin. T'es genre t'as rien à dire. T'assumes. Non, tu fais juste des conchis en boucle. Mais ouais, et c'est fou parce que je pense que même à l'époque, genre le machin de Rébusique là, j'ai dû les voir en me disant mais non, mais mec, genre t'as un talent d'écriture, t'as un talent de jeu, t'as un bon metteur en scène. Qu'est-ce que tu fous habillé avec un. Je crois qu'il était en. Genre en. Comment ça s'appelle? En lab coat. En mode, non, c'est bon, on est un scientifique de la blague et de la musique, mais aussi des revues, hein. Attention, ta gueule. Est-ce qu'ils ont le choix de faire ça? Je sais pas. Est-ce qu'il y a pas, tu sais, genre, dans leur contrat, on ne demande qu'à en rire, ils ont pas lu toutes les lignes, mais en fait, il y avait écrit en tout petit, tout en bas, vous allez participer à une chaîne YouTube un peu cringe. On a envie que ça marche sur YouTube, mais il y a Sildavia TV qui en a déjà à sa 8ème chaîne. Non, mais pas eux, on les emmerde. Est-ce qu'on se souvient de Sildavia TV? Putain, oui. Merci à eux. Sildavia TV, tu as rempli une bonne partie de mon disque dur à toi tout seul. Je les ai encore d'ailleurs. J'ai à chaque fois que j'ai changé de PC, j'ai un dossier on ne demande qu'à en rire. Où dessus il y a des sketchs de. Genre tous les sketchs de certaines personnes. Et j'ai changé genre, je sais pas trop, 4 fois de PC depuis que ça a démarré ce truc là. Et je me traîne ces sketchs d'un PC à l'autre. Comme ça si un jour j'ai envie de revoir le sketch du sanglier d'Arnaud de sa mère, je l'ai. Ah, tu m'as pas, c'est pas beau. T'es sur plus sur YouTube? Je sais pas, peut-être que si, peut-être que non, j'en sais rien. Mais du coup, moi je suis future proof, tu vois, je suis.
Pour aller revendre. Trop bien. Tu peux en faire des NFT, mec.